Salut et bienvenue sur Construction Simulator, la dernière étape de creuser le trou. Pour continuer le chantier à 2 millions. Quand ça voudra se connecter. Hein. Hop, la petite vue intérieure. La vue quoi, c'est pas. J'ai hésité quand même ce soir à partir sur du ETS. Je sais bien. Ouais. J'ai regardé, ça faisait depuis mois d'août que j'ai pas joué à Rosrec. Ça fait plus de 2 mois. Attends, tu vas pas me dire quoi, il fait déjà nuit. Putain, la nuit elle passe vite là, la journée. Ou c'est, ah non, c'est le soleil qui. C'est le début, genre. Ah, c'est le. Non, c'est... Je crois qu'il... Putain, je dis putain quoi, le... il fait déjà nuit là. Attends, les coordonnées sont synchronisées, sauf que t'as pas de pourcentage, t'as rien, je sais pas quand est-ce que c'est synchro, c'est pas cool. Allez, Mika, synchronise les données. Ouais, c'est bien. Je peux pas sortir du point de spawn parce que quand j'essaie de grimper les barrières et tout, ça... Alors, à ce qui paraît, t'es au chantier. Ouais. Alors, tu peux déjà vider un camion là. Et si je peux pas le vider. Bah, t'es viré. Tout simplement. Si je peux pas être viré. Bah tu peux pas être viré, bah si t'es où j'ai... Tu peux être viré. Si
je suis immunisé contre le virage. Inimisé quoi contre le virage. Oh, le bordel de terre. Ah ouais, un gros bordel de terre. J'espère que ça a trop tiré. Pourquoi là, t'imagines, il faut l'évacuer après. On va se faire chier. Ben bordel, mon gars, il y a 50 000 collines. Sinon, on va se faire chier. On va essayer de mettre le reste de terre là. Voilà, un bordel de terre. Monticule de terre. Ça bouge vachement, il y a de la flotte. Dès que tu fais un virage ou autre, t'as toute la terre qui se barre en couille. Ah bah c'est ça. J'ai l'impression que c'est de l'eau là. Tu fais de l'eau, mais dans la vraie vie ça ne bouge pas autant. Ça bouge même quasiment pas. Alors faut y aller vraiment un coup sec pour. Pour renverser. Ou que le camion il soit bien rempli à la gueule. S'effacer quoi, et après quoi tu remets. Il s'efface pas, il reste. Ouais, c'est bon, on dégage du chantier. On dégage de la zone. Ah, du coup, je prends du gravier, du coup. Ouais. Hop. Ouais, tu vois. Après, faut aller chercher un compacteur de sol et la niveleuse. Quand j'irai chercher. Toi, tu iras chercher le compacteur et moi, j'irai chercher le gravier. Je pense qu'il faudra deux tours de gravier. Allez. Toute la terre a disparu.
Ouais, je vais aller chercher un autre camion de gravier. Remplis pas à la blinde hein, parce que après avec le trajet t'en perds. Remplis aux 3/4 au niveau de la jauge, ça suffit là. Ah, bon, après ouais, quand tu prends les virages. Quand tu prends les virages et tout, ça t'en perds la moitié. En vrai si tu veux pas vraiment en perdre, faut que tu roules à. Faut pas que tu dépasses les 30. Faut que tu dépasses les 30 dans un virage, dans une côte, t'en perds. Ça bouge comme de la flotte le truc. Ou au moindre virage un peu trop sévère, hop, ça dégage. Quoi, cette idée là, quoi, l'histoire, quoi, tu perds du chargement, ça va, mais quoi, c'est bien, mais quoi, là, c'est trop abusé, quoi, tu bah prends... oui, c'est... Ça bouge comme de la flotte le truc. Après, c'est vrai, quoi, quand tu roules à 90, t'es pas censé rouler à 90 en ville. Normalement les camions bonnes comme ça et si hein, ils, enfin, quand ils sont chargés comme des connards peut-être pas, ils roulent peut-être à 70-80 mais... Après en ville oui c'est 50 normalement. Normalement bah oui c'est. Normalement t'as des camions bêtes qui cherchent à bloc et après ils roulent à 100 en ville. Allez on se refait un truc back in the fight. Je vais des champs. T'arrives en ville, tu vois des camions qui passent plein de balles. Le gravier, il est au milieu. Une niveleuse et ça va bien. Tu les as loué déjà les véhicules? Non. Il nous faut un compacteur. Compacteur de sol. Oui. Compacteur de sol et il nous faut un niveleuse. Alors, niveleuse. Tard. Ouais mais le problème quoi tu pourras pas charger les cherche la niveleuse d'abord. Pourquoi le problème tu pourras pas je crois que tu pourras pas charger les deux. Okay. Chargement de l'extrême oui. Mais non quoi, je crois que tu peux pas avancer vu que c'est pas sécurisé je crois. Enfin t'essayes tu mais je crois que tu peux pas avancer quand c'est pas sécurisé. Quand c'est pas accroché, quoi, tu peux pas avancer. T'inquiète, moi. On est des pros de niquage de jeu.
Et tu vois, il va me faire tout voltiger, il se fout, ils vont arriver sur le chantier, c'est bon, c'est livré. Ils vont arriver tout exploser, c'est pas vrai, ça roule encore. Déjà je te prends ton camion, c'est rapide. Allez, on va livrer ce câble gravier là. Pour commencer un peu la construction, pourquoi là? Allez, c'est tombé, on aura gardé l'hôtel là en location, on aura mis un mois pour faire la. Il aura mis au moins 10 soirées minimum. Putain, je t'ai fait un drift, la remorque elle t'a arraché tous les poteaux. T'as déjà déposé le gravier? Ouais. Après, peut-être tu voulais le faire. Hein. Parce que moi j'ai fait un peu de la merde. Attends, tu l'as mis où? Ah ouais, d'accord, ouais, j'ai vu. Merde. Allez, il faut déployer là. Oui. Putain, mais moi je suis arrivé comme un bourrin sur le bordel et quoi, j'en ai renversé hors de la zone. Faut le gérer. Eh mais là tu te fais chier pour l'étaler. T'inquiète. On n'est pas des professionnels. Enfin, c'est des professionnels. C'est vrai qu'à mon avis, je vais penser un peu petit. T'inquiète, ça va passer. Ah, mais la Nulu, tu peux limite l'amener toi-même. Elle bombarde dans la Nulu. Au pire, prends la Nulu, tu l'amènes. Moi, je charge le rouleau. Sur la main. Chercher la niveleuse. Mais je pense qu'il faudra encore du gravier. La niveleuse, elle est où? Entrée. T'as pris la grosse niveleuse. Mais tu l'as coincé dans le. Je me suis niqué. Ah non, il m'a coincé. Ben, tu vois le poteau qui est accroché au cul? Au quoi? Au cul de l'armoire, tu vois pas un poteau? Non. Ah mais j'ai un poteau, il est collé dessus, sur les rangs. On va s'en train de partir en couille. Ça part en couille, mon rêve. C'est vrai. T'as pour moi quoi, ouais, t'as défoncé les voitures. Hein. Oui, les voitures, oui, mais le poteau, il l'a fait par matière en couille. Allez, rattrape-moi si tu peux. Ouais, la bombarde, mais pas à ce point. Tu roules à combien de soucis, 25, 30? Ah, 43. Ouais,
T'as pris la grosse grosse ligne de ta de bâtard. Bah j'y ai pris la première que j'ai trouvée. Ça reste une vidéo. Restez pas sur la route aussi là, bon de merde. Les mecs ils sont là sur la route et ils dérangent là. Sur la route aussi. La route c'est pas fait pour rouler hein. T'inquiète, le niveau c'est fait pour ça. Là, il fallait pas. Oui, j'arrive avec plein de balles. Ça a renversé un peu. Il a renversé un peu. Oh, juste un petit peu. Rien de méchant. C'est ce que j'ai pensé, mais c'était trop tard. Putain, mais c'est ça. Je suis en train de filer. Ou après, t'en prends le rouleau et essaie de le bouffer. Non, on l'appelle. Ouais. On l'appelle, je me décale. Je crois que j'ai pris de la terre.
j'espère que ça n'a pas niqué la mission. Il va tout niquer. T'attends, il prend le compacteur. Mais non, le compacteur ça le. Ça aurait. Mais non, ça, sans l'actionner. Ah, mais là je peux pas. Ah, faut aller rechercher les graviers. Pourquoi il est tellement dans l'angle là, quoi. Mais je peux pas faire grand chose. Vas-y, je vais chercher. T'as 43%, mais la moitié est niquée. Je vais essayer de prendre le compacteur sans le. Sans l'utiliser. Oh non, j'ai pas vu. Mais c'est mort de rire. Attends. Mais je m'en donne. C'est passé quoi? Il a fait encore backer des bugs, fait qu'il fallait. J'étais pas sur le live, merde, j'ai pas vu. Bah tu regarderas. Mais qu'est-ce que tu fous en bas de la rue? Je t'ai dit, j'ai volé. Tu regarderas la rediff, tu pourras faire encore un clip. Je suis monté dans la machine, je t'ai volé. Qu'est-ce que t'as niqué? T'as encore une nerveuse. Tu vas pour monter un truc et. Ouais, il s'est passé quoi? Je sais pas. Attends, mais là où t'as pris le truc, il y avait un spot. Mais en fait, c'est pour ça que ça a bugué. C'est parce que là où il y avait la machine, il y avait un spot, mais pour moi, il n'y avait pas de spot. Du coup, quand j'y mets. Bah, ça m'a fait voltiger encore. Le spot, il était pas synchronisé, hein, parce que moi, je l'avais pas. Du coup, je t'ai mis en fait la machine dans un spot. C'était moins violent que l'autre. Ouais. L'autre était vraiment parti dans le ciel.
comme ça là, le tas. Synchronisation génial. Ah, t'es niqué, moi, c'est fait. Ah, pour que le spot soit au fond, quoi, tu le voyais pas? Non. Bravo Moré. C'est pour ça que ton camion est vide. Ouais, il a pas sauté là le camion. Tu m'étonnes que le camion quoi il se décharge. Ah là j'ai fait trop de pêche. Je voulais avancer, j'ai reculé. Alors, initialiser, ça va être tué. Ouais. Ah bah faut y chercher d'autres graviers. Et pourquoi t'as contacté l'autre? Bah, t'es déjà tassé à fond. T'as dû le charger à bloc le camion, pourquoi là? Non, parce que si je le charge à bloc, t'en perds la moitié sur la route. On va pas me dire, avec tout ce que j'ai pris, ça faisait que, ça fait que 10%. Hein. On a réussi à faire 25 avec les autres. On va pas étaler.
C'est censé au moins monter à 70 là, avec ce que j'ai là. À virer la paix. Ça a mis l'engin, était sur une zone instable, et du coup il a été mis en sécurité. Bah ouais, tu faisais trop le con avec. N'importe quoi, j'aime bien. T'es tranquille avec ta pelle et d'un coup ça te la gère. Bon, faut aller chercher le gravier là. En plus, il en a mis l'autre moitié là où il fallait pas. Attends, on va chercher deux camions de gravier, sinon. Là on a pas assez là. Deux camions de gravier. Chercher deux camions de gravier. Et faire le plein aussi du camion. Oui, j'ai fait le bâtard. Ah ouais, t'as pris le camion quoi. J'ai fait le camion qui est plein. Je t'ai laissé le vide. C'est pareil, il faudra l'envoyer en réparation lui aussi. Oups, le panneau. C'est pour ça que t'en perds du gravier, tu coupes partout. T'en perds pas quand tu fais du hors-piste. En fait, quand t'en perds, c'est surtout dans les montées. Et vu qu'on se tape une grosse montée à l'arrière avant d'arriver sur le chantier, ben c'est là que j'en perds le plus. T'as tout t'as tout le gravier qui se met au cul de la berge. Comme si c'était de la flotte.
Et du coup, bah, t'as la moitié qui dégage. Du coup, c'est pour ça, maintenant, là, je la remplis pas à fond. Voilà, t'en as eu pour 13 000 balles, ça veut dire que tu l'as blindé comme un connard. Ouais. Sauf que tu vas en perdre la moitié sur la route. Ah, pourquoi je roulais tout doucement? Là, si tu veux vraiment pas perdre un seul grain, faut que tu roules à 10 km/h. Il faut rouler à 10 km/h tout le monde, hein, si tu veux rien perdre. Et surtout dans les côtes. Dans les côtes, faut vraiment pas rouler vite. Dès que t'as une côte, faut que t'avances à 2 km/h, hein, si tu veux rien perdre. Sinon, t'en perds forcément. Là, tu vois, j'arrive vers la côte du chantier, là. Je suis à 20 km/h. T'as tout le berger qui est au cul de la benne. Là, si j'accélère un peu, t'as tout qui part. 20 km/h pour moi ça passe limité, alors que je suis pas fou. Là. Toi si tu veux passer la côte, faut que tu roules à 5 km/h. C'est vraiment dommage ça. Tu perds de la marchandise certes, mais t'en perds beaucoup trop par rapport à ce que tu fais. Je suis désolé, mais du gravier c'est pas de la flotte. C'est comme la terre. Le seul camion qui est bien c'est l'enrobé, tu t'en perds pas, pourquoi t'as la bâche? Bah ouais c'est ça, le camion enrobé tu peux le fermer. Et après, d'où quoi? T'as un camion comme ça? Non, c'est les grosses mines avec des bâches. Moi, j'ai jamais vu de camion comme ça, quoi. Non, les tombereaux de merde, là, ça, non plus. Moi, j'ai toujours connu, quoi, avec les grosses mines remorques bâchées. Et t'avais le bitume à l'intérieur. Là, j'ai fait quand même pas mal de chantiers, moi, où, tu sais, t'as tout le monde. Je suis dans les zones de TP où t'as tous 50 000 entreprises qui bossent en même temps. Donc c'est le genre de chantier que je déteste. Bah quand ils font les enrobés ou autres, ils ont des camions avec la bâche au-dessus, hein, mais c'est pas des camions comme ce qu'il y a dans le jeu. Bah c'est ça quoi, c'est une grosse mire en marque ou des camions comme ça, mais bâchés et hop. Je te laisse le camion, tu feras ton temps. Prochaine étape, normalement, c'est les matériaux qui sont dans le petit camion ban. Ouais, déposer. Ah, c'est ça. Et après, c'est du béton à faire. Bah, déjà, tu peux commencer à louer la machine. Chercher le béton. Et par contre après attends, il me demande des palettes de coffrage, mais je sais plus c'est quoi les palettes de coffrage, je pense que c'est les grosses palettes rouges là-bas que j'ai ramenées. Il en faut 4, est-ce que j'en ai 4? Oui. C'est ça, palette de coffrage, c'est ça. J'en ai combien là? 4, 5, oh ça va, j'en ai 6. Il en faut 4. Normalement j'ai tous les matériaux là, il y a tout ce qu'il y a dans le petit ben qu'il faut vider. Et normalement les palettes de coffrage qui sont là dans le stock. Ouais, allez, bah prends la niveleuse. Ouais, tu as jamais essayé la niveleuse toi? Non. Je vais pas lever le béton tout de suite parce que je vais attendre qu'on ait la grue. Comme ça, pendant que tu mets les matériaux, j'irai chercher le béton. Me mettre dans l'autre sens. Comment tu baisses le bordel? Après là, je sais pas. Moi, je le fais à la manette et c'est le joystick. C'est bon.
tellement court. Mais sur l'entrée là, là où il y a la grande zone de terre. Là il y en a déjà beaucoup trop. Il faut virer les véhicules. Ah! Parce qu'après, ça doit mettre toute la zone en gravier. De toute façon, la nouveauze, on en a plus besoin, donc la nouveauze, on peut la virer. Il reste un camion, ouais. Automobile, retour. Le camion et après tu peux passer le rouleau. Ah non, mais le rouleau il a pas besoin de le virer. Bah si, il avait tous les. Vas-y, vire le camion. Voilà. Ah, là t'as plus la zone. Il faut attendre que tu fasses ça avant de pouvoir mettre le rouleau à tout le monde. Je vais mettre le camion en plateau. En place pour qu'il puisse le vider. Normalement, pour la première commande, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans le camion plateau, et après, quand ça va te redemander les matériaux, ça va être les machins rouges qui sont dans le stock. Normalement, dans un premier temps, ça va te demander tout ce qu'il y a dans le. Dans les... Scania.
Damien, ma Maxeur, il vaut 135 000. Et la pompe, elle vaut 200 000. Donc là, en gros, t'en as pour 335 000. T'auras 1 200 000 de marge de collège. Achète le camion et la pompe à béton après, ça. Comme ça, t'as pas besoin d'habiller. Autour de la neige. Ah bah là c'est ouais, c'est ça. Le mec est en... J'ai le tour de piste. Vire le volant. Ouais, en train de...
on est rendu. Ah oui, maintenant je le vire pour mettre la grue. Tac, entreprise, parc automobile, le rouleau. Retour. Bim, là vous êtes en place. Du coup, je vais t'acheter le camion et le truc. Oh, ça se fait que t'as que 700 000. Il y a un peu de douille. Tu vas gagner 400 000 avec l'étal du béton. T'as acheté quoi là? Toupie et... La toupie et le truc. Et la pompe? La pompe, ouais. Donc là je vais aller chercher le béton. Il faudra après que toi tu ramènes la pompe. C'est un problème, chef. On est en bout de piste. Pas en bout de piste. Le dernier, ça va être tendu pour le poser. Si ça passe. Normalement, c'est censé passer. Censé. C'est censé. Les briques rouges, ils vont au bout? Hein? Et les briques rouges, faut les mettre? Non, tu mets juste la commande qui te demande. Et normalement, la commande qui te demande, tout est dans le camion petit ben. Ouais, mais c'est quoi le dernier là? Ce qui est à gauche, pour l'instant, tu touches pas. Non, quoi, j'ai pris dans le camion, mais. Ah oui, il y a peut-être des. Oui, c'est des tuiles. Il y a peut-être des tuiles dans le camion. C'était pour combler le voyage. Ouais, mais le problème. Les tuiles, tu le fous dans la zone de déchargement qui est à gauche. Tu le poses dessus. Non. Et à côté. Ouais, mais là, le problème, là, je suis en bout de piste. Et. Sinon faut que je joue quoi, à balancer le... Enfin... faire un lance-pierre mais... Allez, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite... Allez. Je joue un lance-pierre. Allez, hop, allez. Non, je peux pas le... Ah, je peux pas le lâcher. Faut que tu le fasses à la grue. Là, je suis vraiment. J'ai pas grand chose, il manque. On va chercher le malaxeur, hein, je m'en occupe. Ouais, voilà, je peux. Je m'en occupe de bien mieux. Ouais, hop. La pompe. Le max.
J'ai fait du 2 roues sur au moins 50 mètres. C'était chaud. Il a failli perdre tout le béton, chef. Ah bah là, si on perd le béton, là. Là, c'est 17 000 euros. Il y a 17 000 balles de béton. On n'aura pas gagné grand chose sur cette mission en termes de thunes, mais on aura gagné pas mal de véhicules. Ok, bien. Donc ça, au moins pour la prochaine grosse mission, on a toutes les machines qu'il faut après. Ouais. D'accord, pour la piste, on comprend. Ah oui, t'as. Eh ben, je suis en bout de piste, quoi. Je suis en bout de grue. T'es obligé de prendre la grue du camion. Faut jouer en mode. Tu peux pas faire gauche-droite et la balancer. Non. Presque. Putain, ça en a fait les camions là. Ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est. C'est marrant. Merde. Vas-y, pose là. Hop, merde. On recule encore un peu avec le camion. Non, c'est bon là, je pense. Ouais, oh, il est pas hyper bon. Hop, merde. Les vérins, c'est quoi? Sur table. Ouais. Quelle dague de merde. Ah. Et avance le camion. Oui, faire. Allez. Allez, dégage. Allez. Lève. Il m'a fait tomber un nouveau bug, c'est génial. Attends, pour moi les tuyaux ils sont toujours là. Les tuyaux que tu viens de poser, pour moi ils sont toujours là. Ouais, bah moi j'ai fini.
pose-moi ce truc là. Putain, mais c'est quoi ces contrôles de merde là? Putain, sérieux? J'arrive pas à savoir les touches que je fais. Je crois que mes stabilisateurs quoi. Mais moi je crois que la palette de dessus elle part en couille. Les tuiles normalement elles sont censées être pétées avec tout ce qui se passe. Je trouve que c'est un stabilisateur qui est pas censé être là, hein, mais... Ouais. C'est que... c'est normal, c'est de droite, là, quoi. Normalement, quoi, le camion, il... Là, il voltige, le truc. J'aurais pu mettre encore plus proche, je suis mort. Vas-y, on va couler le béton. Vers le capot? Ouais. C'est sûr? Ça fait quoi si je déverse avec le béton dedans? Allez, coule le béton. Ici, là. Attends. Ici. Wesh, mais mon mag glisseur, sale bâtard! C'est bon, t'as du béton moré. On sent pas tout. Hein. Le béton, ça coûte cher. Putain, je sais plus c'est quelle touche pour... Ah putain, leur contrôle de merde là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je peux pas avoir une autre caméra. Pilotage. Ah ouais, super la caméra de pilotage. C'est la merde. Super la caméra. Bravo, Nes. C'est tout week. Super la caméra. Super la caméra. Génial. Elle est niquée, mais c'est vrai. Oh, c'est vraiment un petit con. Non mais le béton, c'est pas au même endroit hein, qu'il vole. Le mec qui s'est mis une position, il fait pas les couilles dans la gueule. J'ai toute la... Il s'est dit rien à péter, j'en ai rien à foutre. Niquez-vous. T'as fait que 16% et t'as quasiment vidé le malaxe quoi, sérieux. Économise le béton. Bah t'as qu'à le faire ton béton. Parce que là t'as quasiment tout vidé. Bah va chercher d'autres béton. On n'a pas 50 000 malaxeurs.
Merde, l'autre il laisse le truc planté dedans. C'est pas facile. Mais putain, je crois que en 2015 c'était plus facile. Ouais, c'est horrible. Bon, on joue en 2015 pour comparer. Dommage, mais même mes empreintes de pas. Eh. Je mets mes traces de pas dans le béton. Comme ça, on saura que c'est moi qui l'ai fait. Dans 4000 ans, ils verront la trace de pas, ils diront lui, c'était un bon. Lui, il savait qu'il allait faire du BTP en rentrant chez lui. Mais punaise, mais c'est horrible cette... Il balance du béton à 4 mètres de haut. T'imagines dans la vraie vie, t'as le mec qui fait ça. Tu lui demandes s'il connaît vraiment son métier. Et qu'il est dans le plat. Béton. Ah, plus de béton, faut en rechercher. Il a tout niqué le stock. Béton, c'est quoi? C'est les coffrages. Et après, il y a encore du béton. Oh. Ah, du béton, t'inquiète pas, on va en faire. Du béton, du béton, du béton, béton. Du béton, du mur béton, de béton. Béton, béton. Colonne de béton. Il y a beaucoup de béton. Le béton, ça va être ton ami. Et ben, on est qu'à la troisième étape. Les camions, on a plus besoin là. Les camions, bon, tu peux les envoyer en réparation. Ouais. Je vais les envoyer en réparation. Ah, surtout 3. Celui qui est niqué, l'autre encore ça va. Mais... Bah, l'autre il est tout neuf. Il est 81. Mais celui qui est niqué, ouais, tu peux l'envoyer en réparation. Après, ça va être les coffrages. J'ai jamais vu ça, quoi. Tu fais du béton et la goulotte de la toupie, elle est nickel. Non, bah ça.
Il n'y a pas un pet de béton qui est resté collé. Alors que les bennes sont dégueulasses, la terre. Alors que dans la vraie vie, les malaxeurs ils sont dégueulasses, t'as du béton partout. Même la petite barre qui est en bas là au niveau de la route. Je sais même pas à quoi sert cette barre. Elle est pleine de béton aussi. Enfin. Ah bah là du béton partout. C'est pareil, le Ouais. Maxer là même pas un pet de béton. Ouais, mais c'est ce que je pense. Le malaxeur là, avec la toupie là. Deux, trois, quatre, cinq, Oh. six, sept, Qu'est-ce qui compte? et 7 heures dans le jeu. J'ai compté les cloches. Et 7 heures du soir. On t'a pas dit de mettre le camion dans le béton. Au moins c'est livraison express. Mais tu peux pas le verser comme ça? Bah j'aimerais bien. Je sais pas quoi. Pourquoi se faire chier avec la pompe à béton? Tu prends le camion, tu verses directement Mais dedans. oui. Je sais pas pourquoi il te faut la pompe là pour ce truc. Ou tu prends des brouettes et hop, tu fais la brouette, je sais pas. La boîte quand même vers cette surface là, ça va un grand moment. Normalement ouais, faut que tu remplisses jusqu'à temps que tu voyes plus la ferraille, mais dès que tu dépasses ta ferraille, top, t'arrêtes. Ou alors à hauteur de ferraille, dès que t'es proche de la ferraille. Qui fait plein de petits à coups. C'est ça. J'essaie de recouvrir tout bleu là. Ah ouais, on recouvre toutes les. Après, on fera les compléments. Mais... J'essaie déjà de recouvrir toutes les zones vides. Béton. J'ai plus de béton? Bah t'as déjà tout niqué. Ça part vite, hein. Putain, 52%, c'est 4 voyages de béton, faut rien. Vache. Coûte cher le béton, hein. Ouais, ça coûte cher le béton.
Portugal. Ah, ça se voit que Colaf est sorti. Pour que la plus personne en sur construction. Tout le monde l'a fini. Si tu rentres du taf et tu sais que tu vas jouer à Colaf. Tu vas faire militaire plus tard. Ouais, c'est que tu vas faire militaire plus tard. Tu vas bosser pour les forces de l'ordre. Tu joues à policier militaire, tu sais que tu vas faire policier plus tard. Ouais. Tu vas devenir flic. Tu joues au jeu de comment ça s'appelle de weed là où tu dois créer ta weed là. Tu seras dealer. Oui. Tu seras dealer, ouais, génial. Ah putain. Le jeu auquel tu joues quand tu rentres du taf, c'est ton futur métier. Tu joues à GTA si tu vas piquer des voitures dans la vraie vie. Tu vas le sang. Tu vas le sang de l'Est. Tu vas voir le flic, tu dis j'appelle Lester. Je suis pas de souci, j'appelle Lester. Bon, le béton il arrive ou... Le béton il dort. Le béton est en train de voyager, la direction Québec. Il y a de la route. Au pire, demain on fait mi-chemin. Je fais 200 bornes, tu fais 200 bornes. Ouais. On se rejoint à Tours. C'est ça. À Tours ou à Vierzon. Oh, je sais pas. T'as, tu vois quoi, si tu vois l'étape de mettre le grillage, on l'a pas eu. Mais il y a des étapes qui manquent. Et bah, de chantier, tu veux dire? Non, le grillage là, le fond de grillage. Ah si, on les a posés. Oh, le béton il a failli valser. Ah, le dernier virage avant d'arriver sur le chantier, il est sévère celui-là. Bah allez, on va couler le béton. J'entends le gros freinage de bâtard, je me retourne, le camion il est retourné. Heureusement que le béton il est pas barré. Ah la chatte. Allez, coule-moi le béton là. Ah la chatte de ouf. Il est passé pas loin d'un drame. Thank you.
Ah, c'est encore beaucoup, non? Ça, non, il me reste. Encore du béton et du béton. Mon dernier voyage et ça sera bon. Ouais. Du béton, ton. Du béton. Bien de béton. Ouais. C'est ta passion. C'est ça, c'est ma passion le béton. Après la prochaine étape. Le coffrage. Mise en béton sur place. Putain, il faut encore du béton quand on aura mis le coffrage. Et le béton, c'est notre passion. On rentre de chez nous, on fait du béton, on sait qu'on va devenir bétonnier. Un mot qui n'existe pas, mais bat les couilles. Amélioration. Améliore tes compétences. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Compétences. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Faire ça, les bonnes affaires. Il y a un truc vous êtes un ouvrier du béton expert. Ouais, j'ai mis deux points de béton. Moi j'ai mis mes points sur l'usure des véhicules. La dernière fois je les ai mis sur l'essence, là maintenant je les ai mis sur l'usure. J'ai mis sur un bon affaire, le reste sur le béton.
je le vois arriver et là il va arriver avec plein de balles. Tu crois que c'est normal que le béton il coule pour moi? Pour moi aussi. Moi je vois le béton qui... C'est pas normal. Je vois le béton il est en train de couler. J'ai mis la voie vert. Tu l'avais toi aussi? Ouais, mais c'était un bug. Et du coup, le truc est déjà en train de... Ça, bah, c'est bizarre, ça me guidait pas. Béton. On a niqué le béton, on a du béton à l'infini, c'est bon, on peut faire toute la chape. Gaspille le béton, allez, gaspille. Allez, encore, allez. Pas les trous, là, les deux gaspillés. Enfin, un trou en haut à gauche. Tu es chic comme un connard pour tes petits sons. Mais quoi? Ça se fait chier comme un connard pour des billets sans voir. Il n'y a plus de béton. Un pour cent. Ouais. Voilà. C'est ça qui est bon. Attends, vire ta merde là. Ouais, j'ai mon bugus qui est bloqué. Ouais, faut tomber mon bugus.
par contre, c'est vraiment des tarlouses, hein, les personnes. Ça va pas monter un putain de tas de terre, mais frère, dans la vraie vie, je te le monte en 2-2, ton truc. Ça va partir en couille. Il va me faire voltiger la grue. Il tient. Ce bâtard. Il tient. Ça va être la même merde. Putain, je suis un bout de piste là. Je suis parti à l'autre bout du chantier. Bah pose en moins à bord, j'ai bon. L'autre il voulait pousser là, okay. Pour ça fait balayer. Et vas-y là, tu m'as mis un endroit qui me casse les couilles. Bah viens arrêter le camion. T'es sérieux, je peux pas déplier bordel à cause de... À cause de quoi? La béquille de nez. Ah. Tu veux poser ta palette là? Allez, pose-la. Normalement, la cabine n'a même plus de cabine. Voilà, la cabine, normalement, elle est pétée. Plus de béton encore. On a plus de béton. Oh non, mais t'es pas sérieux. C'est pas sérieux là. Faut remplir les coulottes. Il y a plus de béton dans la truc. Allez, va chercher le béton. Je vais aller chercher. Bon, il en reste un petit peu, tu peux finir, vas-y. Ouvre ton bordel.
Ah, à part que tu vises bien. Parce qu'il faut mettre dans les petits poteaux. ça remplit ou pas? Oui, ça remplit, c'est à 1%. Wesh, putain, ça remplit d'où? Ah non, mais d'accord, écouler les colonnes et couler les murs. Et t'as 10 colonnes. Il reste appuyé, bah les couilles, rempli de batterie. Et tu étais pas censé chercher le béton? Il y en a encore. Hein. Ça coule. Donc ça coule, c'est qu'il y en a encore dedans. Putain, j'ai pas encore fini les piliers là. Ouais, t'en as encore 4 à faire. Ah, okay. Si. Encore 3. Encore 3, putain. Le mec, si dans la vraie vie il contrôlait sa machine comme ça, il serait vraiment dick. Je sais même pas si c'est en vrai, c'est de te l'appeler. Normalement tu mets juste un petit peu dedans et ça devrait être validé. Voilà. Maintenant tu remplis les murs. Ah bah y'en a plus. Bah y'a plus béton. 1%. T'en as plus non plus dans le malaxeur? Non, ouais. T'en as un peu. Ah non, j'en ai plus là. Non, ça stocke dans le malaxeur. Hein. Bah j'en ai plus. J'en ai plus. Putain, niquez-vous les IA de merde là. Vous voyez bien que je passe. Priorité à droite, ils connaissent pas les bâtards. Ouais, chantier, tac.
On n'a pas d'autres limitations de vitesse, hein. C'est la sauce. Après, t'as la cage d'ascenseur. Ah ben ça, c'est un autre délire. J'espère que la cage d'ascenseur elle est pas au bout de la balle. Au bout pour c'est non mais c'est... Faut acheter une grue plus grande. Là on est dans la merde, hein, dans la mouise. Ah, ou alors après faut acheter la grue mobile. Ouais, aussi. La grosse grue mobile de bâtard. Elle vaut combien? Elle vaut cher. Elle vaut quasiment 500 000. Ah oui. Après, t'en as une à 317 000. Bon, ouais, bah, c'est une petite, c'est de la merde. Où tu veux la plus grosse, oui. Bah, ouais. Sinon, c'est pas marrant. Ça va être la dernière tournée de béton et après on va arrêter. T'amuses de klaxonner? Là, ça va être la plaie là de remplir ça.
Ça va être la plaie pour remplir. Quand on voit comment tu déplies ton bras, ouais, t'es pas dans la merde. Le mec qui fout le béton à côté. Putain, mais c'est une plaie cette machine. Il n'y a plus de béton. Il n'y a plus de... Ouais. Ouais, on va s'arrêter là. Encore du boulot pour le béton. Il y a du bétonnage. Ouais, il y a encore du bétonnage encore. Voilà, allez. Sur ce, bon visionnage, abonnez-vous. Et on se retrouvera sur un autre prochain épisode. La semaine d'après. Allez, sur ce, bon visionnage.